Félix, question comme ça. Les gens nous regardent aujourd'hui, on a de l'air d'avoir du plaisir. Ils aiment ça, aller à la pêche, j'aimerais ça, essayer ça. Tu travailles dans un écotone, la personne vient te voir. C'est sûr que si moi je pense à moi dans la région de Montréal, on a encore le droit à la pas naturelle. Qu'est-ce que tu conseilles comme équipement de base pour commencer? Première des choses, Luc, un traîneau pour apporter tout notre équipement. Traîneau sauvage fera un job. Oui, n'importe quel traîneau, bien okay. Souvent on a ça à la maison. Ouais. Une perceuse. Ou un monsieur manuel pour garder notre shape. Ouais. Perceuse manuelle peu coûteuse, super efficace. Un kit de brimbales, un ensemble de brimbales. Que ce soit des brimbales... Comme ça, ça peut être un drapeau, parfait. Ouais. À pas naturel, où on a le droit, on peut pêcher avec ça. Exactement. Quelqu'un s'achète un paquet d'hameçon, un paquet de plomb, puis une bobine de fil avec ses brimbales. Puis on est parti. Ouais. Bon, ouais. Parfait. Et dans le cas aujourd'hui, là, on travaille sur des lacs dans ta région. La peau naturelle, on s'en sert à peu près pas. Ouais. On a besoin de travailler, couvrir du terrain. Donc, étant donné que la peau naturelle ne bouge pas, on ne laissera pas des brimbales stagnantes. On va plutôt chasser avec cet équipement-là. Ouais. Et puis... tabarnak, je garde ça. Je ne sais pas si on a... mon espèce de lutte! T'as un gros poisson! Hey! Je suis pas ici de juste faire des capsules! Oh, fais-nous les cabarouettes! Ah, puis t'as pas empoigné sur le bon bord! Bon, ben donne-moi ça, ça a empoigné pas sur le bon bord! T'as pas sur le bon bord, la maudite poignée, maudite! Mais c'était un gros fish! On s'est fait pogner, là! On s'est fait pogner! Ça, je sais pas si on peut mettre ça dans un blooper! Puis, tu sais, Luc, on t'a rendu là à notre capsule, pêcher avec nos sonores, avec nos petites cannes à dandiner. Une canne comme ça, là, on le voit bien, ces images. C'est le même feeling qu'on a l'été avec notre canne à pêche. C'est vraiment, vraiment... Puis, tu sais, on a pris beaucoup de poissons aujourd'hui, pas nécessairement toutes des monstres, mais même des poissons un petit peu plus petits. Avec une canne comme ça, c'est vraiment, vraiment précis. Et oh, on a affaire à... Encore bien de l'énergie. Ouais, puis garde les couleurs qu'il y a après ce poisson-là. Oh, yes, sir! Yeah, man!